On est à la Villa Médicis, où je viens de passer bientôt 2 mois pour une résidence d'écriture, pour travailler sur mon projet Aquaviva, un livre que j'ai engagé il y a plus de 10 ans déjà. Il y a déjà eu 3 tomes de sortie. Là, j'attaque le 4e. J'en suis à 130 pages à peu près sur les 220 qui sont prévues. Aquaviva, c'est un récit post-apocalyptique. Un monde pas vraiment défini, en ruine, entièrement manufacturé. Il n'y a plus de nature du tout. Les pylônes électriques remplacent les arbres, les égouts font office de cours d'eau. Et j'avais envie de faire évoluer des personnages dans cette hypothèse de science-fiction. J'ai toujours été attiré par la science-fiction et si je devais échafauder un récit qui se passe dans le futur, c'était plus réaliste dans un univers plutôt de décombres et de post-apocalyptique. La conquête des étoiles, ça me semble un petit peu aujourd'hui hors de propos. Je travaille à l'encre de Chine sur un papier technique. C'est un papier qui boit très vite et qui n'est pas vraiment fait pour la peinture. Mais au moins, j'avais l'impression que ça m'obligeait à rester vif et de mettre le minimum sur l'aspect peinture, puisque très vite c'est absorbé, on ne revient plus dessus. Comme j'ai un dessin très contrôlé, très précis, par-dessus l'encre de Chine, en fait, je vais salir le dessin par moment avec une technique de monotype où je mets de la peinture à l'huile sur un support plastique. J'essaye toujours de garder une part de vivant, d'aléatoire, d'accident, parce que sinon ça serait beaucoup trop cadré. Dès le début du projet, je savais que je voulais faire des choses un peu abstraites dans les décors, des collages de photocopies, des espèces de montages pour figurer le décor, justement, vu que les personnages sont très réalistes, très classiques. Ça me plaisait d'avoir comme prétexte un décor de ruine pour y aller gaiement presque du design graphique. L'envie de départ de ce projet, c'était de s'attaquer au récit muet. C'était un défi hein, de dessiner une histoire sans texte, de manière très réaliste et plutôt sobre sur le jeu, sur les expressions. J'ai beaucoup recommencé, jeté, au moins un tiers des pages sont parties à la poubelle au montage. Le personnage principal est muet, il n'y a aucun son qui sort de sa bouche. C'est dans ce sens qu'il est muet, mais les personnages s'expriment malgré tout. La bulle me permet quand même d'avoir des effets qui sont un dialogue long, une exclamation, un chuchotement. Donc les personnages s'expriment, c'est simplement que dans ce monde-là, on n'a pas le décodeur. J'aime bien travailler sur la question de la modernité, enfin notre époque, où est-ce qu'on en est. Sur Welcome, en fait, j'aborde les mêmes obsessions. Mais cette fois-ci, différemment, c'est un projet que j'ai entamé la semaine après la naissance de ma première fille. Je voulais lui faire un inventaire du monde dans lequel je la larguais, en reprenant un peu le mode opératoire des carnets naturalistes. L'infinie variété dans la déclinaison. Et j'ai voulu qu'il n'y ait aucun sous-titre, aucune explication, laisser vraiment... tout le monde s'en emparait comme il le veut, sans pointer du doigt, sans prendre par la manche, là. Et je crois que c'est justement ça qui fait que la réception de ce livre, elle est multiple et j'aime bien comment il a été accueilli et ce que les gens en retirent et comment ils se l'approprient. J'ai toujours fait beaucoup d'expos. Il y a quand même un intérêt à voir ça en vrai. Un original, c'est... Ça vous permet aussi de voir les repentirs, de sentir vraiment la technique. Les 4 détours de Sangjiang, c'était un hommage à la culture chinoise classique, au rouleau chinois,
au taoïsme et à la pensée chinoise. J'ai trouvé une technique bien spécifique à ce bouquin-là, où je dessine sur un vieux papier paraffiné qui ne boit pas l'eau et qui me permet d'avoir des pigments assez flash, qui restent en surface. Il y a une alchimie qui se fait entre les encres un peu grasses et les aquarelles liquides. J'étais allé en Chine pour aller voir les villes champignons. Des grues partout, des gratte-ciel qui poussent en quelques semaines. Je voulais me confronter à ça, un monde qui change, qui bascule. Ce qui est décrit dans Colibri, il y a un peu plus de 10 ans, bon, c'est plus de la science-fiction aujourd'hui. Avec Aquaviva, le prochain projet ensuite, c'est aussi un récit d'anticipation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ouais. Et là, qui sera plus sur la question de l'intelligence artificielle et des machines. Mais on tourne toujours un peu autour des mêmes. C'est trois angles différents. Et on va dire un qui se projette à 10 ans, l'autre à 30, et peut-être à quoi il va à 100, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, on est sur du. Voilà, c'est trois axes différents pour l'anticipation.